dans la réalité, tout est relié en un seul tout. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce que tu regardes la Terre, que nous avons divisée en plusieurs pays, on a fait des frontières. Eh bien, à l'origine, il n'y avait pas toutes ces divisions. Il y avait juste la Terre. La division, elle a été fabriquée par ce que nous pensons, ce que la pensée projette. Et l'homme, tout ce qu'il projette, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, divise. Parce qu'il y a un centre d'intérêt qui est aux commandes de ce désir, cette envie. Et nous avons pu faire ces divisions et c'est devenu les mœurs de notre société. Il y a ton pays, mon pays, il y a moi, il y a toi, il y a elle, il y a lui. Donc on est foncièrement dans un état de division qui n'est pas naturel. La nature de la vie, c'est un ensemble coordonné, ordonné, harmonieux, uni dans un seul ensemble. Mais ce que nous avons produit, nous, les humains, c'est justement à cause de la comparaison, à cause de nos dismantèlements des choses. Nous voyons quelque chose et nous préférons quelque chose d'autre. Donc, on divise entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre le bien et le mal. Et ça crée dans notre société tout un système de pensée qui a l'habitude de faire comme ça. Ce sont des pensées qui se sont installées et que tout le monde trouve normal. C'est quelque chose qui est là avant, quand on arrive, et tout se perpétue de la même manière. Pourtant, ce que tu es, en fait, l'homme que tu es, l'être que tu es, uni en lui-même, non divisé, s'aperçoit qu'il y a un problème, parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes faits pour être unis, pour nous aimer, pour avoir de l'harmonie, l'ordre, la joie, la paix. Et on s'aperçoit que toute cette division crée justement un monde chaotique où on a pu faire des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des atrocités qui se jouent dans le monde. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pensons divise. On te dit, il faut que tu deviennes quelqu'un. Donc, déjà, tu te divises de ce que tu es toi-même. Tu veux devenir celui qui va plaire. Et donc, tu te divises de ce qui est toi-même. Donc, tu vas être celui que les gens veulent voir. Celui que la société ordonne. La société nous dicte comment les comportements doivent être établis. Et tout le monde, par la peur de ne plus être reconnu par une société qui nous dicte, eh bien, tout le monde, dans la pensée collective, eh bien, on exécute cette envie de se mouler à la conformité de la division. C'est-à-dire mon pays, ton pays. Et chacun a son idée. Et il y a 7 milliards d'idées sur la Terre, puisqu'il y a 7 milliards de personnes. Chacun regarde midi à sa porte. Et ça fait que nous ne voyons pas la vie comme elle est. Nous voyons la vie comme elle devrait être. Et là est toute la problématique de l'existence humaine. Parce que nous ne vivons pas la vie, mais nous la voulons. Nous ne vivons pas ce qu'il y a. Nous voulons vivre ce que nous aimerions, ce que
nous décrétons être bon pour soi, pour ce centre d'intérêt, ce penseur qui veut ce qu'il désire. Donc, le penseur qui pense a des pensées qui divisent. Et il est nécessaire de s'apercevoir que ce que nous faisons a divisé nos esprits. Nous sommes dans un monde divisé. Il y a les rangs sociaux. Il y a le riche, le pauvre, le grand, le petit. Celui qui est beau, celui qui est laid. Il y a toute une injustice. Et dans cette injustice que nous avons comparée, il y a la division. Parce que nous n'avons pas voulu voir ce qu'il y a, mais nous avons voulu voir ce que nous aimerions. Donc on voit un pauvre et on dit « il ne devrait pas être pauvre, il devrait être riche ». Et moi aussi, je ne devrais pas être pauvre, je devrais être riche. Donc le pauvre n'est plus considéré. Il n'y a que celui qui a réussi qui est considéré. Et nous vivons dans un monde comme ça. C'est-à-dire que la pensée qui s'est installée a décrété une norme, et la norme, c'est laquelle on poursuit tous, puisqu'on s'est identifié à toutes ces pensées, et les pensées sont devenues ce que nous sommes. On dit bien, je pense ce que je suis. Donc ce que tu es est ce que tu vois autour de toi aussi. Parce que les pensées ont fabriqué ce monde, et ce monde qui est divisé, et qu'on a l'habitude tous de perpétuer pour pouvoir exister dans une norme prescrite. Donc, on perpétue cet état d'esprit où il y a une rivalité dans les relations. Parce que, comme chacun regarde midi à sa porte, et comme chacun s'identifie aux pensées qu'il adhère, alors tout le monde regarde son intérêt. Et il n'y a pas l'union, il n'y a pas cette approche où rien n'est comparé, où rien n'est sujet à juger. Tout est dans la division. Il suffit de le voir. Il suffit de voir que tout ça, ça ne mène à rien. Il suffit de voir que le monde aujourd'hui, tel qu'il est, c'est le résultat de toutes les pensées que nous avons eues. Toutes les pensées auxquelles on s'est identifié. Ma famille, mon pays, mon argent, ma voiture. Et bien sûr, on s'accroche à ça. On s'attache à tout ça. Et comme on est attaché à tout ça, on est devenu ces choses aussi. Ces choses représentent mon extension à moi, mon argent, ma banque, ma femme. C'est une extension de moi qui est divisée par le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt indique ce que je veux, ce que je désire, et je poursuis cela. Et je suis dans l'expectative de gagner ce que j'aimerais avoir, c'est-à-dire cette différence, cette notoriété que j'aimerais avoir, cet état d'être qui est le sublime que je cherche. Donc chacun d'entre nous, on est en train de faire exister ce monde qui est divisé. Nous sommes le résultat de toute une décennie de pensées qui ont été mises en place et que nous continuons à perpétuer. Le tout, c'est de voir qu'est-ce qui fait que nous avons envie de garder cela. Pourquoi ces pensées sont-elles si utiles pour qu'on puisse avoir un genre de sécurité?
parce qu'elle te procure une sécurité. Elle te procure la sécurité d'exister. Exister à travers ce que la pensée est. Ce que la pensée est, c'est ce à quoi tu t'es identifié. Et si tu as de la notoriété, alors ça te donne une existence aux yeux, au regard de la société qui est autour de toi. Donc, nous ne vivons pas vraiment. Nous sommes des pensées qui exécutent une existence, un programme qui dicte comment tu dois vivre. Mais tu ne vis pas. Ce n'est pas toi qui vis, ce sont les pensées, c'est le programme qui a été installé, qui fait son chemin. Et toi, tu exécutes les actions qu'elle propose. Ces actions sont faites de compulsions, de réflexes, puisque ce n'est plus quelque chose de conscient. Parce que la conscience, c'est être relié avec le tout. La conscience voit l'ensemble sans qu'il y ait comparaison, sans qu'il y ait division. Et alors, à ce moment, si tu sais abandonner les pensées et ne plus t'identifier à ces pensées, alors ce que tu verras, ce qu'il y aura à ta perception, c'est la perception d'un tout, d'un ensemble qui est harmonieux, en harmonie et qui n'est pas en dualité, qui ne divise rien. Et cet état, c'est un état d'intelligence. C'est l'intelligence que nous avons besoin pour pouvoir rectifier tout le problème que nous avons créé. C'est-à-dire, il faut que soi soit le vecteur de ce changement pour qu'autour de soi, il y ait des changements. Donc, se changer soi est crucial. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est soi. Parce que le monde est le résultat de soi. C'est soi qui a pensé ces pensées. Ce sont des pensées qui ont été répétées. On s'en est habitué et c'est devenu ce que nous appelons le monde aujourd'hui. Et nous sommes tellement habitués que tout le monde s'identifie à cette vie en disant qu'on ne peut rien faire d'autre. Il y a des guerres, il y a tout ça, il y a des gens qui meurent de faim, mais on ne peut rien. Donc tout le monde baisse les bras en disant que c'est comme ça, c'est ainsi, et personne ne fait plus rien. Tout le monde continue justement à faire perpétuer la même arrogance, la même rivalité qu'il y a dans le monde entier. Ce sont nos pensées qui font le problème. Ce que tu penses, c'est quelque chose qui te propose une action qui va diviser. Ce que tu penses vouloir te propose cela. Tu veux être celui qui est différent, parce que en étant différent, tu as un sentiment de sécurité. Si tu as de la notoriété, eh bien tu seras au-dessus des autres. Et ce qu'il y a à atteindre dans le sublime, dans l'absolu, ce sera un pouvoir sur tout ce qui t'entoure. Donc, tu veux arriver à tes fins par tous les moyens. Et les moyens, tu ne considères pas la souffrance qu'il y a derrière les moyens que tu vas utiliser. Le monde vit comme ça. Et c'est devenu une coutume. Et on n'a jamais pensé à aller voir la racine du problème. C'est quoi la racine du problème? C'est ce que nous pensons. C'est cette division qui est créée dans nos pensées. Et nous connaissons très peu ces pensées. Parce que tout cela, ça passe en soi, à l'intérieur de ce crâne que tu as, qui est justement relié à toute la planète Terre. Mais ce crâne dans lequel
se sont installées nos pensées, nos habitudes, nos train-train, eh bien, elles nous divisent les uns des autres. Et nous vivons un monde dans un monde où tout est divisé, où tout s'achète, où tout se commercialise. Donc, il n'y a plus le contact. Ce contact avec le tout est perdu. Et c'est maintenant la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme, de concevoir que tout est relié en un seul. Et qu'il n'y a pas de division dans tout ce qui existe. Il n'y a pas nos frontières. Il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, il y a nous. Et nous, c'est un seul ensemble. Un seul ensemble qui ne peut être divisé. Parce que dans la réalité, c'est indivisible. Tout est un. Nous sommes un. Et si quelque chose arrive à quelqu'un à l'autre bout du monde, alors il y aura un effet. Un effet sur toute la planète. Parce que nous croyons qu'en disant « je suis bien dans mon pays », eh bien, tout le monde se protège, alors que nous sommes reliés en un seul. On se raconte des histoires. Et on se dit, tant que moi j'ai tout ce que j'ai besoin, eh bien, ça ira. Mais ça, c'est une pensée qui fait qu'on se divise. On ne peut pas se dire être bien si le reste du monde est séparé. Parce que l'harmonie et la joie d'un être humain vient quand tout est en harmonie en soi. Il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus de rivalité entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est la chose qui est. Et tu ne peux pas faire autre chose avec ce que tu es. Ce que tu es est ce que tu es. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que cela. Toute autre chose que cela est illusion. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en toi. Cette connaissance pour voir toute la division qu'il y a dedans. C'est cette division qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on a vu cette division, alors il y a en toi quelque chose d'inné qui ne peut pas être divisé. Et il remet de l'ordre. Mais il faut voir que tu as divisé. Il faut voir que tes pensées sont fragmentées. Il faut voir que ce que tu penses ne crée pas l'harmonie. Il faut le voir. Et à ce moment-là, l'intelligence remet les choses en ordre.